C'est vendredi, les studios HEG au musée du Sceau du Tarn, c'est parti! Bienvenue dans notre 24e épisode de LVDV. Alors la semaine dernière on était à Poste Guitare, cette semaine au musée du Sceau du Tarn, et si vous restez avec nous, vous allez apprendre plein de nouveaux mots, genre le dégrayeur. Voilà, alors moi à part en cas d'invasion, je vois pas. Et donc là, je vous présente la dynamo. Tour de France est pour bientôt, je pense qu'ils vont venir la chercher. Oh tes goodies! Oh putain ça... Non mais dis donc, pas plus d'un par personne. Ah d'accord. Non, voilà. Vous remettez ce que vous avez mis dans la poche. Ah pardon. Puis tiens, ça vous fera de la lecture. Ça c'est gratuit. Ah hein, ouais. Voilà. C'est... Un lézard fouette à queue. Non, alors ça aussi, il faut laisser, hein. Voilà, il faut laisser parce que c'est... Alors là, c'est tout neuf, hein. Ce que vous voyez ici, c'est tout neuf. Donc, vous nous laissez travailler, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Merci. Oui, oui. Hein, voilà. Laissez-moi respirer. Oui. Je ne sais absolument pas à quoi ça correspond, hein. Je voudrais tenter... Ce sont des éprouvettes. Vous ne touchez pas, s'il vous plaît. Merci. Hein, voilà. Alors, vous allez faire votre tour ailleurs, dehors, hein, pourquoi pas. Là, voilà. Hein, Comme vous pouvez le constater, au musée du Sceau du Tarn, il y a des maquettes qui fonctionnent. Pas du tout. ça ne fonctionne pas. Michel, Michel Lecourant, s'il te plaît. Celle-là est ta taille réelle, à taille humaine. Vous pouvez admirer, regardez le détail. Il y a même les toiles d'araignée encore. Hein, c'est incroyable. Puis le réalisme de ces... Oh. Ah ! Très très sympa. Par contre, le tactile, c'est pas ouf. Pas un écran tactile. Merci pour ces informations. Nous allons tout de suite retrouver Rose pour lui poser quelques petites questions. C'est parti. Sabot. Bon, ceux du Tarn, corporate. Ross. Cinéma, quand même. Expédition sauvage. Tête chercheuse. Ah, saut de sabot. Blague de Toto. Et donc, pour ce week-end, je vous propose de rester au Sceau du Tarn parce qu'en fait, demain, il y a l'inauguration du spectacle Son et Lumière. Oui, ils sont encore en train de le préparer. Alors on va se faire tout discret. Moi je vais me cacher dans le coin et je vous dis à la semaine prochaine.